Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder aujourd'hui les énergies qui seront présentes pour vous pour ce mois de février 2021. Alors déjà, on parle de la saison de l'hiver, très bien. Ça confirme que ce sera pour le mois de février 2021. Alors, je vous rappelle qu'il ne s'agit pas d'une voyance personnalisée. Prenez vraiment les énergies qui vous parlent. Et si ce tirage ne vous correspond absolument pas, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire, surtout si vous êtes une femme. Bon, elles ont du mal les cartes hein, aujourd'hui. Hein. Alors, les Sagittaires pour ce mois de février 2021. Sagittaires, s'il vous plaît. Sagittaires, je veux savoir qu'est-ce qui va se passer pour mes amis Sagittaires qui vont regarder ce tirage, s'il vous plaît. Allez, février 2021 pour les Sagittaires pour le mois de février 2021. De papier et du commerce. Très bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut tout simplement dire qu'il y aura des contrats par rapport au travail, par rapport à du trafic. D'accord? Ça peut être par rapport à tout ce qui est aussi argent, puisqu'on a le côté commerce. En tout cas, il y a des petits papiers pour ce mois de février. Alors, il se peut aussi que vous êtes peut-être à la recherche d'emploi ou vous allez vouloir chercher à faire d'autres choses. Et c'est pour ceci que je vois ces petits papiers-ci. Hein. Peut-être même un investissement. Alors, les Sagittaires, février 2021, les énergies pour mes amis Sagittaires, février 2021, pour les Sagittaires, je prends celle-ci, je vais pousser cela. Et une dernière carte pour vous, amis Sagittaires, et je vais prendre celle-ci pour la première interprétation. Puisqu'après, comme vous le savez, je pense que maintenant vous avez l'habitude, on va approfondir. Alors, amis Sagittaires, je vois la carte de l'homme, de la force, du renouveau. Ah, ok, donc cette carte-ci, c'est un petit peu, comment dirais-je, en dents de scie, hein, l'accident, c'est pas le top du top. Bon. Pas grave, on va continuer. Ok, très bien. Alors, amis Sagittaires, ça c'est peut-être vous, homme Sagittaire, ou si vous êtes une femme Sagittaire, c'est peut-être l'homme qui partage votre vie, ou du moins qui ça peut être amical, sentimental ou famille. Mais c'est quand même quelqu'un qui vous est proche, hein, je tiens à vous le dire. Donc, je vois quand même une personne qui veut y mettre de la bonne volonté, qui veut vraiment mettre de la bonne volonté dans certaines choses. Et qui essaie de changer, mais il y a cette carte-ci qui me dit que le changement est très, très compliqué pour cette personne-ci. D'accord? Donc, si vous vous attendiez à ce qu'une personne change, fasse des efforts par rapport à vous, je vois que vous allez voir d'ici février qu'il y a encore des hauts et des bas, et des hauts et des bas, que c'est pas vraiment ce que vous désiriez. Donc là, c'est pour ceux qui attendaient un changement de la part d'une personne. Et pour certains d'entre vous, amis Sagittaires, je vois un renouveau dans le côté d'indépendance. Donc peut-être que pour certains ou certaines, vous allez décider de vous recentrer sur vous-même d'ici ce mois de février. Vous dire, ah ben non, je me concentre que sur moi. En ce qui concerne le sentimental, pour le moment, un petit peu de côté. Et vous voulez vous recentrer et peut-être même être dans un esprit d'économie. Alors d'économie, pourquoi? On va regarder par la suite. Mais je pense que vraiment, au niveau relationnel, février, vous allez en demander beaucoup. Et si ça ne vous convient pas, eh bien, vous allez vous dire, ok, bah tu sais quoi, reste de ton côté. Moi, je me concentre sur moi. On continue pour vous, amis Sagittaires. Alors, cet homme-ci, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Je voulais celle-ci. Allez. Sagittaire, d'accord. Donc, c'est une personne... Peut-être que vous avez rencontré durant un automne, il y a de cela 3 mois. Je ne sais pas pourquoi je vois la période de l'automne. Ça peut être aussi que c'est une relation qui commence à s'essouffler un petit peu. Ok, bah écoutez, on va continuer pour les Sagittaires. Ok. Donc peut-être que vous vivez pour certains ou certaines une relation, comme je vous disais, qui commence à s'essouffler. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'amour et que vous allez arrêter. Hein. Mais je vois qu'il y a des choses qui vous contrarient, qui sont pour vous un peu malsaines. D'accord?
Donc, si vous vivez dans cette relation-ci, je vois quand même, il y a un des deux partenaires qui va essayer de faire des efforts, essayer de renouveler la chose, mais c'est très compliqué. Et peut-être qu'il y en a un ou une qui va peut-être pas le supporter non plus. Très bien. Alors, on continue pour vous, amis Sagittaires. Alors, si vous êtes femme Sagittaire, c'est vous que je vois avec force par rapport à cette relation-ci. Donc, si vous êtes dans une relation toxique ou une relation que vous sentez que vous n'allez pas avancer, vous allez vous-même avoir le cran et l'énergie de dire les choses et peut-être de recommencer des choses soit à nouveau ou de dire à la personne « c'est ta dernière chance » ou bien « c'est bon, là, cette fois-ci, je stoppe ». D'accord ? Donc, ce mois-ci, prise de décision au niveau sentimental ou relationnel. Je vous dis que c'est un homme, ça peut être un compagnon, mais ça peut être aussi quelqu'un de la famille, hein, avec qui il s'est passé des choses au fur et à mesure. Ça s'est passé plus mal, entre guillemets, ça se dit pas comme ça. Et de là, vous allez poser un ultimatum. En tout cas, vous voulez plus de relations qui soient malsaines pour vous, qui vous prennent la tête. Hein. Je vois vraiment que vous avez envie d'évoluer et d'avancer pour beaucoup d'entre vous, amis Sagittaires. En plus de ça, j'ai les cartes de l'étoile. La carte de l'étoile, elle est magnifique. C'est une carte de protection qui me dit bien que vous devez vous imposer. Vous devez dire à la personne si ça ne va pas. Et vous devez chercher à avancer dans votre vie afin que votre âme évolue aussi. Vous voyez, c'est un renouveau qui a été très compliqué, hein. C'est comme si c'est quelque chose, soit à chaque fois au niveau relationnel, il vous arrive tout le temps la même chose, c'est que vous tombez toujours sur le même schéma d'homme, le même schéma de relation, ce qui est quand même assez dommage, je dois vous l'avouer. Donc je vois ce problème-ci, mais je vois aussi que pour vous, c'est difficile des fois de vous dire stop, j'arrête ça et je commence autre chose. Comme si vous avez du mal à quitter une relation parce qu'elle est malsaine pour commencer à quelque chose de nouveau. Donc, on me dit que ça a été compliqué ce renouveau, mais il faut vraiment que vous ayez la force avec vous parce que c'est ça qui fera que vous irez vers le bon chemin, amis Sagittaires. Et qu'est-ce que je vous disais au niveau relationnel, hein, pareil. Un renouveau au niveau relationnel. Alors, peut-être tout simplement, alors pour certains, je vous ai dit, vous allez prendre votre envol et pour d'autres, ça va péter. Entre vous, ça va péter, mais par contre, réconciliation, d'accord ? Mais l'ultimatum, c'est ça qui va tout faire, vraiment. Ça va vous aider à prendre la bonne décision. Alors, on va aussi regarder cette carte-ci pour vous qui m'intrigue un petit peu. Donc, vous voyez, on me dit qu'il y a des hauts, des bas, mais quand même, j'ai la carte de la positivité. Donc, comme je vous disais, ça ne veut pas forcément dire que dans votre couple, ça va s'arrêter. Pas forcément, mais il faut passer par cette phase-là et surtout par cette phase où vous allez dire les choses, vous imposer et poser cet ultimatum pour que, enfin, vous arrivez vers quelque chose de beaucoup plus positif pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il va advenir de ceci, de cette relation? Ok. C'est une relation. Okay. C'est marrant parce que je vous note ce que peut devenir cette relation-ci. Alors, peut-être que vous êtes une femme Sagittaire blonde, que je vois là parce que j'ai la jeune fille blonde. Peut-être que vous êtes un homme Sagittaire avec une jeune femme blonde, enfin, une jeune fille blonde. Ça peut être aussi ceci, mais ça me dit aussi que vous allez aussi retrouver peut-être ce côté fleur bleue, d'accord ? Vous allez revenir vers quelque chose de beaucoup plus romantique aussi par la suite. C'est comme si, bah, du fait que ça a clashé d'un coup, et bien pouf, ça y est. La personne se montre beaucoup plus romantique et l'amourette devient beaucoup plus beau. Malgré que je vois qu'il y a des petites périodes compliquées. Alors, soit ça va être compliqué en février et vous allez te mettre l'ultimatum à ce moment-ci. Ou soit ça fait un petit bout de temps que c'est compliqué et là, c'est en février que la personne va enfin se réveiller. Mais c'est très proche. Hein. Tout ceci, moi, je vois vraiment que février, déjà, l'ultimatum, soit il sera posé à ce moment-là, soit il a été posé un petit peu avant, mais c'est ce qui va vous permettre d'avancer au niveau sentimental. On va regarder ceci par rapport à la renaissance. La renaissance pour les Sagittaires et la carte de la certitude. Vous allez renaître durant ce mois de février. Vous allez revenir de vos cendres. Je ne sais pas si on lit cela aussi, mais vous allez vous réveiller sur pas mal de choses, hein, vraiment. C'est bien parce que vous allez évoluer. Alors, s'il vous plaît, certitude, ça. Et même au niveau amical. Peut-être qu'au niveau amical, si vous étiez en froid avec quelqu'un
Eh bien, il va y avoir un renouveau avec cette personne-ci. Vous allez vous retrouver comme si c'était au premier jour aussi. D'accord? Donc, comme je vous le disais, je pense que le fait de vous réimposer, c'est ça qui va faire que finalement, vous allez faire en sorte que tout se passe pour le mieux et que toutes les mauvaises choses se transforment en choses positives, que ça évolue dans le mieux, voilà, d'évoluer dans le pire. Alors, je vais voir aussi, par contre, cette carte d'indépendance. Ouais. Ça vous représente vous, surtout femme sagittaire, donc pour certaines, à mon avis, indépendance, vous allez vous dire, ben non, là j'ai envie de prendre du temps pour moi, de me réaliser. Ah, alors, justement, vous prenez du temps pour vous et tout cela, pourquoi? Parce que peut-être que vous allez vous axer vers tout ce qui est art. Peut-être que vous aimez la musique, la danse, le sport. Vous allez un petit peu vous orienter vers ceci aussi durant ce mois-ci. En tout cas, plus vous investir peut-être dans un sport, où vous dites bah, j'ai envie de manger sainement, j'ai envie de faire du sport, ou j'ai envie de faire de la musique, ou j'ai envie de. En tout cas, c'est une passion pour moi. Vous allez prendre du temps pour réaliser votre passion. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être aussi par exemple du montage hein, sur YouTube. Voilà, vraiment, c'est une passion. Alors, on va regarder par rapport aux économies, les Sagittaires. D'accord, donc pour certains ou certaines, des économies entre guillemets juvéniles, parce que vous vous rendez compte peut-être que vous n'avez pas assez économisé et là vous voulez vraiment commencer à mettre un petit pactole de côté, ou ça peut être dû tout simplement par rapport à un jeune homme, vous êtes un jeune homme peut-être Sagittaire qui voulait économiser. On va regarder un peu par la suite, s'il vous plaît, pour les économies, le jeune homme, et très bientôt. Très bien. Donc peut-être que pour certains ou certaines, je vois aussi le fait que vous allez vivre peut-être en colocation avec quelqu'un pour essayer de gagner un petit peu en argent. Mais très bientôt, je vois que vous allez arriver dans une phase où vous allez pouvoir faire des économies. Peut-être même des économies parce que vous voulez ensuite par la suite beaucoup bouger, d'accord? En tout cas, vous voulez être dans une phase d'économie pour peut-être tout simplement partir un an dans un autre pays ou partir ne serait-ce quand même que 2 mois, hein. Mais je vois le projet d'avoir de l'argent pour un autre département ou de l'étranger. Mais écoutez, voilà pour nous amis Sagittaires. J'espère que ce tirage vous parle. Si ce n'est pas le cas, bien évidemment, comme je le dis à chaque vidéo, n'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire. N'oubliez pas aussi de vous abonner, d'activer la petite cloche, surtout pour ne pas louper mes prochains tirages, puisque je n'ai pas de date officielle de publication. Généralement, en ce qui concerne les horoscopes, j'aime bien vous les mettre un petit peu avant le mois J pour que vous sachiez un petit peu les énergies que je ressens par rapport au mois à venir pour se préparer. Mais voilà, si vous n'activez pas cette petite cloche, vous ne saurez pas quand est-ce que je publie, ce qui serait vraiment dommage, surtout si ces tirages-ci vous intéressent. J'ai également un compte Instagram où je vous fais des guidances du jour qui s'appelle Astro et Voyance. Et si vous aimez ceci, je vous invite à me rejoindre puisque les guidances se font sur le moment même. De temps en temps, je vous fais des petits concours. Et en plus de ça, lorsque je publie des vidéos, je vous le dis également. Donc voilà, ne serait-ce que pour avoir aussi des petites infos par rapport à YouTube, c'est pas mal. Maintenant, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, amis Sagittaires, et à très vite pour de nouveaux tirages.